Donc ici, on nous donne deux fonctions, f de x et g de x, et on nous demande de trouver f plus g de x. Donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être une nouvelle notation, mais en fait, c'est pas très compliqué. F plus g de x, c'est la même chose que f de x plus g de x. En fait, ce que je fais quand je fais ça, c'est que je crée cette nouvelle fonction ici, f plus g. F plus g, donc, c'est une fonction, et cette fonction-là, elle est définie par la somme de deux fonctions. Donc, maintenant, on va juste faire la somme des deux fonctions. Donc, je vais écrire f de x en orange, et je vais écrire g de x en violet ici. Donc, qu'est-ce que c'est que f de x plus g de x? Eh bien, c'est 9 moins x carré, c'est donc mon f de x ici, plus 5x au carré, plus 2x, plus 1. Et donc, ensuite, il me reste juste à additionner les termes qui vont bien ensemble, c'est-à-dire les x carrés ensemble, les x ensemble et les restes des nombres ensemble. Donc ici, au niveau des x carrés, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai plus 5x carré moins x carré, ça me fait 4x carré. Ensuite, au niveau des termes en x, j'ai juste plus 2x, donc ici j'aurai donc plus 2x, et ensuite il me reste les nombres, on aura 9 plus 1, et ça me fait donc 10. Donc la fonction résultante f de x plus g de x, c'est la fonction qui est égale à 4x² plus 2x plus 10.